Cette année, je me suis soumis au temps. J'ai soufflé contre le vent. Les mots ont volé plein champ pour écrire le quotidien au grand jour des petits matins. J'avais un besoin profond de prendre mon temps, le temps d'élier, le temps d'aiguiller. C'est comme un éventail, vous savez. Ça permet de fouetter le vent et ça permet de chasser les épouvantails. Quand on est trailer, c'est ce qu'on aime aussi, c'est profiter des paysages, être au contact de la nature. Et même si on est compétiteur et que l'objectif c'est de partir d'une ligne de départ et d'aller le plus vite possible jusqu'à l'arrivée, on traverse des endroits qui nous permettent de rêver, qui nous permettent de s'évader. Et quand on a un petit peu mal quelque part, peut-être s'arrêter et contempler, et ça donne une motivation supplémentaire pour continuer, aller voir un peu plus loin, aller encore un peu plus haut, jusqu'en haut de la montée, pour voir quel paysage on va avoir en haut. Il y a des gens qui disent quand on court, on ne voit pas. Mais au contraire, on est tellement concentré. Et le soir, quand on s'endort, on ferme les yeux, on a toutes ces images qui sautent à la figure. Là, et quand on les découvre dans le cadre d'une compétition, c'est encore plus fort. Elles sont encore plus marquées. Parce que là, on a tous les sens qui sont à l'éveil. Il y a eu une photo extraordinaire à faire. Il y a déjà même pas mal qui sont arrêtés. Toutes les vallées étaient remplies de nuages. C'était une merveille. Et on voyait juste le viaduc qui dépassait. C'était magique, magique. Il y a plusieurs étapes dans la course par rapport à ce qu'on ressent justement. Déjà, il y a le lever du soleil. Je pense qu'on l'attend tous. Enfin, c'est un moment magique aussi. On en parle avec les coureurs. Hein. Oh, ça y est, le jour se lève. Et après, oui, les couleurs de la nature varient beaucoup en fonction de la météo. Et puis, c'est incroyable. Effectivement, on est passé par plusieurs couleurs différentes. Alors ce fut le temps des regards croisés. J'ai croisé le forgeron des Templiers, plein de monde. J'ai croisé un dieu à cuir des Trifons. J'ai croisé des paysans, plein de paysans. On a un pays merveilleux avec des gens qui ont façonné notre territoire. Autrefois c'était des gueules. Aujourd'hui c'est des amuse-gueules. Voilà, ce fut le temps des pierres à caresser, des buis à tailler, des puits à sonder, des éperons à balayer, à épousseter. C'est bon, ça me plaît.
Ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec les gens, avec les bénévoles et les coureurs. Et on ne se connaît pas, quelquefois on court pendant 2-3 heures avec quelqu'un, on a l'impression qu'on est amis depuis des années, alors que s'il faut se croiserait dans une autre circonstance, on ne se parlerait même pas, alors que là on est tous solidaires. Une petite attention pour les derniers des courses. On essaie de garder toujours un peu de saucisse sèche, une tranche de jambon. Et vous savez pas le bonheur qui est le leur. Magique de voir tous ces gens applaudir, nous encourager, cet engouement, c'est incroyable. Et après, sur chaque ravito, ça nous porte en fait, ça nous fait vibrer et ça nous donne de l'énergie pour avancer. Et alors, il y a nos proches, c'est sûr, ça c'est important, les personnes qui nous font l'assistance et à chaque fois, on a envie de les voir au ravito. Mais il y a aussi tous ces gens qu'on ne connaît pas et qui nous encouragent aussi parce qu'ils voient nos prénoms sur le dossard. Merci maman. À droite. Allez, super. Hop, et après, on court tout seul. Allez, petit maman. C'est magique, les Templiers. Le départ, on peut pas l'exprimer. Quoi. On a les frissons partout. On sait ce que, je sais pas. Il y a une âme. La musique, le discours de Gilles, tout ce silence, les frontales qu'on allume. Voilà, il y a un truc particulier qui fait que même avant de partir, on a les poils qui se dressent sur les bras. Et je regardais un peu les coureurs, il y en avait qui avaient un peu les larmes aux yeux. Et c'est compliqué de l'expliquer, je pense qu'il faut le vivre en fait hein, pour voir ce que c'est. Mais les quelques minutes avant le compte à rebours, c'est un truc qui reste en fait. Et je crois que tous les coureurs, ils viennent aussi chercher ça quoi. Et voilà, on y est. Aujourd'hui, je vais vous offrir ces grands courses. C'est un privilège. Ce n'est pas à moi, mais je vous l'offre. Je vous offre aussi les Templiers. Et je vous offre la clé pour ouvrir le secret des Templiers. Je vous souhaite bonne course et je vous remercie d'être avec nous. Merci à tous et à toutes!
sur la ligne d'arrivée, il y a énormément de monde. Et en fait, plus on avance, plus on entend l'ondulation en bas et ça nous donne envie d'y aller vite. Voilà, ils sont super contents pour les coureurs, ils nous acclament. Et du coup, ça fait dresser les poils. On se sent pousser des ailes. La dernière montée, on a plus mal nulle part. Et on a juste envie de savourer cette dernière ligne droite avec l'arche qui nous tend les bras.